Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Repentigny de décembre. Alors, nous allons commencer la séance ordinaire du Conseil avec l'ouverture de la séance et le constat du quorum par le greffier. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, nous tombons au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, en point 3, période de questions destinées au public. Alors, vous savez, on a une période de questions. On va commencer avec la période de questions qui est en ligne pour ensuite passer à la période de questions en personne. Pour la période de questions en personne, vous êtes déjà inscrit d'entrée de jeu et nous allons avoir un perchiste qui va se promener avec le micro là, pour pouvoir vous le tendre pour que vous posiez vos questions. Et pas besoin de toucher au micro, là, il va se déplacer, rester à vos places. Donc, il va pouvoir venir prendre vos questions. Alors, on va commencer avec la période des questions qui est par Internet. On a reçu 6 questions. Donc, tout d'abord, une question de M. Antonio Cardazzi. Ce dernier demande si la nouvelle administration songe à l'implantation de lampadaires dans les rues sombres de la ville. Alors, effectivement, M. Cardazzi, là, c'est une problématique qu'on avait constatée de longue date à Repentigny. La campagne électorale nous l'a bien démontré. On a fait beaucoup de porte-à-porte très tard le soir et malheureusement, plusieurs rues étaient très mal éclairées. Donc, nous allons avoir des commissions municipales qui vont être créées à partir de janvier, dont une commission sécurité urbaine qui va avoir comme premier mandat de revoir l'éclairage de nos rues. On sait qu'il y a des secteurs comme par exemple au nord de la rivière, à Le Gardeur, là, ou même dans l'est de la ville, où il y a des zones qui sont mal éclairées. Donc, c'est un travail qu'on va entamer. Et aussi, dans le district 9, là, dans le district de Mme Gendron, l'administration, il y a déjà des investissements qui se font dans le quartier 9. Donc, certains vont être heureux de l'entendre. Et justement, là, on est en train de tester un lampadaire solaire, donc un projet qu'on discutait durant la campagne électorale. Donc, on est en train de voir là, le résultat du projet pilote du lampadaire solaire et on va voir là, si ça peut être une pratique qui va être implantée ailleurs dans la ville. Donc, espérant que ça réponde à votre question, on travaille déjà sur le dossier. Deuxième question, Mme Mireille Ducharme. Cette dernière demande à la nouvelle administration si la nouvelle base nautique au Parc de Lens fait toujours partie des projets prévu par la Ville. Mais écoutez, à vrai dire, on était dans un projet beaucoup plus grandiloquent là, de la part d'Avenir Repentigny. On avait un projet où on veut faire une marina à Repentigny, mettre en valeur les berges du fleuve Saint-Laurent. Donc, on est en train de retravailler pour avoir un parc de Lens qui va être beaucoup plus intégré, beaucoup plus grand. Donc, pour le moment, on est à revoir le projet. Mais on a une intention ferme pour redonner l'accès aux berges du fleuve Saint-Laurent aux citoyens. Et bien sûr, là, ce secteur-là va faire partie de nos réflexions parce que c'est une place là, qui est parfaite pour pouvoir redonner accès au fleuve. Donc, on est en train de travailler pour un projet beaucoup plus intégré, beaucoup plus grand qui va être fait. Il y a des annonces là, qui vont être faites dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc, on travaille pour un projet qui est beaucoup plus intégré que la première phase là, qu'on avait avec le parc de Lens. Ensuite, en troisième question, on a M. Ricardo Gomez. Donc, ce dernier se demande si la Ville peut discuter, évaluer et voter sur l'idée d'équiper les déneigeuses de bloqueurs de neige qui les empêcheraient de laisser un banc de neige devant les entrées privées des citoyens lors des périodes de déneigement. Donc, effectivement, là, M. Gomez nous a envoyé des vidéos là, qui étaient très intéressantes à étudier pour des nouvelles techniques de déneigement. Donc, je sais que ça a déjà été transmis là, de la part de M. Lompré à nos équipes des travaux publics qui font une évaluation là, du projet que M. Gomez nous a envoyé pour voir si c'est intégrable à Repentigny. Le projet que lui nous a envoyé était aux États-Unis, donc on s'entend que ce n'est pas exactement les mêmes conditions météorologiques et puis ce n'est pas la même quantité de neige, mais on est en train de regarder, voir si l'idée peut être exportable. Et j'en profite, là, si les citoyens ont des bonnes idées, on est toujours preneurs. Ensuite, quatrième question. Monsieur Alexandre Gendron, donc ce dernier demande à la nouvelle administration quelles sont les prochaines étapes à venir concernant notre volonté d'instaurer un service de transport en commun à la demande et quand un premier projet pilote sera mis en place. Il demande également si les résidents pourront participer à l'instauration des objectifs de cette initiative via un comité citoyen.
Donc, pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré le député de Terrebonne, Mathieu Traversy. Et vous le verrez, le député de Terrebonne, quel lapsus, serait content de m'entendre. Le maire de Terrebonne, il est devenu maire de Terrebonne, mais l'ancien député de Terrebonne. Donc, Mathieu Traversy, justement, là, dans notre ordre du jour, il y a une résolution qu'on va adopter pour les représentants auprès du réseau de transport métropolitain EXO, qui va avoir à réfléchir à la question avec l'Agence régionale de transport métropolitaine, la RTM. Donc, on est déjà en train de faire nos représentations auprès de ces organismes pour les sensibiliser au projet pilote qui est instauré déjà à Québec, là, qui va commencer à partir de janvier, qui nous a inspirés. Donc, un projet pilote de transport en commun à la demande. Donc, on est à vérifier, voir la possibilité d'intégrer un projet pilote, nous aussi, là, sur la couronne nord de Montréal. Donc, on a déjà entamé là, nos représentations auprès des futurs représentants d'EXO pour aller dans ce sens avec ce projet pilote. Donc, on a bien hâte qu'il soit instauré. Je ne peux pas donner de date parce que, premièrement, nos représentants d'EXO ne sont pas encore nommés, mais déjà, ils sont sensibilisés à notre volonté d'avoir du transport en commun à la demande. Donc, ça va être un dossier qu'on va travailler là, tout au long de l'année. Puis, j'en profite pour vous le dire, là, on s'était aussi engagé à faire un forum sur la mobilité. Et c'est un dossier qu'on a commencé à travailler dès ce matin là, avec la MRC des Moulins. Donc, ça fera partie de nos réflexions là, dans le cadre de notre forum. Bien sûr, les citoyens sont toujours invités à participer aux diverses réflexions. En cinquième question, j'avais M. Miron. Donc, premièrement, ce dernier aimerait savoir pourquoi la Ville n'a pas fait enfouir les fils électriques lors des travaux réalisés au cours des dernières années sur la rue Notre-Dame. Deuxièmement, il demande à la Ville où en sont rendues les recommandations faites par le service de police concernant l'arrêt obligatoire qui n'est pas respecté par les automobilistes au coin des rues Norvège et Nontour. Un représentant du service de police avait rencontré les citoyens de ce secteur il y a 2 ans pour connaître leur opinion sur cet arrêt. Ce dernier avait fait un travail pour trouver des solutions face à ce problème. Donc, M. Lompré, si vous avez des éléments de réponse à donner à M. Miron. Oui, M. le maire. Bien, tout d'abord, les projets d'enfouissement des fils électriques... Hydro-Québec subventionne ce type de projet-là. Ici, à la Ville, on a fait la demande, dans le fond, pour la partie centre-ville qui a été faite il y a quelques années. Et le dernier tronçon, c'est entre la rue Notre-Dame-des-Champs et Iberville, où également on a bénéficié de cette subvention-là. Donc, ce n'est pas une subvention qui revient annuellement. Donc, on doit faire la demande à Hydro-Québec qui autorise, dans certains cas, pour 2 ans. Il faut comprendre que uniquement Hydro-Québec subventionne l'enfouissement de ses fils. Donc, ce qui est Bell ou autre service d'utilité publique, il faut négocier avec eux parce qu'ils n'ont pas de subvention reliée à ça. Également, le gazoduc, s'ils sont dans les jambes, il faut tout tasser ça. Fait que c'est des choix économiques aussi qu'il faut faire. On prend fouir les fils un peu partout dans la ville, mais ce n'est pas quelque chose qui est réaliste. Fait que ça, c'est pour la première question au niveau de l'enfouissement des fils. Et concernant la deuxième question de M. Miron, bien, l'analyse est faite par le service de police. On attendait le début des commissions en début d'année, puis la recommandation va être faite pour l'arrêt en question. Excellent. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à vos questions, M. Miron. Donc, sixième et dernière question en ligne. M. Vincent, ce dernier demande à la Ville s'il serait possible d'installer une interdiction de stationner de part et d'autre de l'entrée principale du 238 rue Notre-Dame afin de libérer le champ visuel des automobilistes qui sortent de leur entrée. Monsieur Lompré, je pense que vous avez des éléments de réponse. Oui, monsieur le maire, dans le fond, ce courriel est arrivé aujourd'hui, mais le service de police a également reçu une lettre qui est datée du 13 décembre de la part de monsieur Vincent puis d'autres propriétaires de l'association de condos. Fait que rapidement, les policiers vont procéder à une analyse, là. Puis on le fait dans certains cas de mettre des interdictions de stationner pour dégager un angle de visibilité. Fait que la même chose va être faite, puis on devra avoir des recommandations tôt d'un prochain jour là, sur ce dossier-là. Excellent. Merci beaucoup, M. Lompré. Espérant que ça réponde à votre question, M. Vincent. On tombe donc maintenant à la période de questions en personne. Donc, la première intervenante est Mme Payette. Mme Payette, si on vous invite à vous lever pour que notre perchiste puisse venir vous voir. Bonsoir, Mme Payette. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Et bonsoir les conseillers et conseillères. Moi, je viens faire une demande, c'est parce que nous marchons souvent à l'île Lebel. Et puis, depuis 2 ans, à cause de la pandémie, on n'a plus de local pour aller se réchauffer. Alors, on aimerait ça être capable de... Parce que là, il commence à faire froid. L'été, ça va bien, on peut rester à l'extérieur. Mais là, je sais qu'il y a le grand chapiteau en bas, qu'il ne sert pas tellement l'hiver. Fait que je ne sais pas si ce serait possible d'ouvrir pour qu'on puisse, de temps en temps, aller se réchauffer.
avec des mesures, mettons, là, qui seraient plus intéressantes là, pour tout le monde. Parce que c'est juste, il y en a qui veulent faire deux tours, mais là, on va où se faire réchauffer en attendant? C'est ça qui est le problème. Fait que je vous demande si c'était possible de faire quelque chose pour ça. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre question, M. Lompré. Je ne sais pas s'il y a déjà des premiers éléments de réponse par rapport au chapiteau. Je sais que la roulotte, le chapiteau, entre autres, là, sert d'endroit pour se réchauffer ou pour changer les patins quand la patinoire est en place, mais on va vérifier avec la Société de développement récréotouristique qu'est-ce qui peut être fait là, pour permettre aux citoyens de se réchauffer. Je sais qu'il y a des chaises, des feux en plein air qui sont installés là, pour permettre... proche du chalet Lebel, mais on va regarder ça. Mais on va étudier la question, Mme Payette. Je suis moi-même, j'ai vécu 21 ans sur Sarteau, tout juste à côté du parc Lebel, un habitué. Ma mère, il prend encore ses marches 3 fois par jour. Donc, elle me sensibilise déjà à l'importance du parc de l'île Lebel, inquiétez-vous pas. Mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour cet hiver pour répondre à votre demande. Espérant que ça réponde à votre question. Merci. Ensuite, M. Claude Gagné. Bonsoir, M. Gagné. Bonsoir. J'ai une bonne voix, moi. Ah, on aime ça. Je voudrais savoir, c'est un peu sur le plan fonctionnel. Est-ce que vous allez avoir un exécutif et chaque conseiller aura-t-il un dossier porteur sur lequel on sera capable de dire... C'est lui ou elle qui est le porteur de ce dossier-là? Alors, oui, tout d'abord, à la dernière séance du Conseil, on a déjà présenté les membres qui composent le comité exécutif. Donc, c'est M. Bernard Landreville qui en est le président, accompagné par M. Normand Urbain ainsi que Mme Martine Roux. Et en janvier, justement, la prochaine séance du Conseil, en janvier, va nous permettre d'adopter les commissions politiques de la ville de Repentigny. Vous allez voir, là, il y a des nouvelles commissions. On a fait un travail de revalorisation des commissions pour que les élus puissent en être à part entière. Et vous allez avoir, là, dès janvier, là, les nominations là, au niveau des élus qui vont siéger sur les différentes commissions politiques. J'ai 3 autres questions. La première, c'est de dire aussi que je demeure dans le secteur 11 et j'ai déjà parlé à Mme Routier. C'est ça, de certains problèmes que je vous amène. Le premier, c'est l'éco-parc. On a un éco-parc à Repentigny qui est ouvert une journée par semaine. Et pour pouvoir avoir accès à ça, c'est seulement le samedi présentement. Ça veut dire que si vous travaillez vraiment, puis vous arrivez à Repentigny à 6 heures, vous ne serez jamais capable d'aller là. 1. 2. Ils nous envoient au MRC de l'Assomption, mais c'est loin, ça. Puis moi, je ne comprends pas qu'on ait un service ou qu'il n'y a pas de service. Il y a comme quelque chose qui ne passe pas dans ma tête à ce niveau-là. Et je vais faire du pouce avec cette même idée-là. On a une bibliothèque à Le Gardeur qui a 21 heures de moins d'ouverture que celle de Repentigny. Il y a quelque chose qui me dit qu'on ne devrait pas être un point de service à Le Gardeur. On devrait avoir les mêmes services que ceux de Repentigny. Une bibliothèque fermée les avant-midi et le lundi, c'est un milieu de vie, une bibliothèque. C'est un endroit où que les gens devraient être capables de se rendre puis de partager des choses. C'est pas juste une place où on corde des livres. Là. Il me semble que vous avez de l'ouvrage à faire là-dedans dans les prochaines années, monsieur. On s'en doute. C'est justement pour ça, je pense, qu'il y a eu une volonté de changement pour que le secteur Le Gardeur se sente enfin représenté à l'Hôtel de Ville. Et je vais vous parler d'un problème qui est pour cet été, mais je suis du modèle à aimer prévenir. Joue Pickleball puis Repentigny, c'est extraordinaire. Ils ont fait certains terrains, mais ils n'ont pas mis de filet. C'est comme de dire, on fait une patinoire, pas de glace. C'est assez sympathique, là, comme pensée. Et il existe des solutions à ça, entre autres à Sherbrooke. Ils se servent des patinoires l'été pour faire des terrains de pickleball. Ils en rentrent 3 par patinoire. Et ça fait que l'infrastructure, au lieu de servir que pendant l'hiver, elle sert 12 mois par année. Ça fait qu'il y a déjà quelque chose à regarder là, puis c'est pas moi qui invente ça, là. Ça existe ailleurs, là. Ça fait que moi, je pense que, il faudra mettre des filets, faire en sorte qu'il y en ait, et de voir peut-être que si nos infrastructures qui existent déjà pourraient servir encore plus,
Ça serait peut-être une bonne idée. Alors, M. Gagné, je pense que vous allez être très heureux parce qu'on s'est engagé à diversifier l'offre sportive à Repentigny. J'ai parlé à de multiples reprises aux représentants du comité de pickleball de Repentigny durant la campagne électorale et même le lendemain. C'est dans les premiers téléphones que j'ai fait le lendemain de l'élection. Donc, on a une relation assez étroite avec les membres du comité. C'est déjà pas loin de 350 citoyens qui en sont membres et on a un grand intérêt pour des terrains dédiés au pickleball. On s'est engagé à diversifier l'offre sportive. Comme je vous ai dit, à partir de janvier, il va y avoir une commission sur le sport. Un de ses mandats, c'est justement d'identifier des terrains pour le pickleball, pour avoir des installations permanentes. Sur une note plus personnelle, je vous inviterais même à contacter l'association de pickleball de Terrebonne. Quand j'étais chef de cabinet à Terrebonne, on est la ville qui a réussi à nous ouvrir le plus. J'avais un appétit pour ouvrir les terrains de pickleball. On a eu à peu près une douzaine là, durant le passage que j'ai eu. Donc, je suis extrêmement sensible là, aux besoins des joueurs de pickleball à Repentigny. Il y a l'association, mais ils amènent leur propre filet. Et si vous n'êtes pas à leur moment à eux, il n'y a pas de filet. Mais c'est la raison pour laquelle on veut des terrains dédiés. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Gagné. Alors, troisième question, M. Yu Fan. Vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Première question, je vois il y a des couvertures. Peut-être à cause de neige, protéger son plante ou quoi. Moi, je pense qu'il y a des règlements. Mais quand même, moi, j'étais visé par l'urbanisme parce que toute la neige met de la couverture. Mais pas tout. Il y a quelques endroits aussi selon le principe d'architecture. Moi, je veux que si les autres citoyens pour mettre la couverture avant la neige, mais ma couverture soit tapette, j'ai oublié le mot en français, mais quand même, couverture, c'est le tapis, c'est formel, amusant, couleur, en principe avec la feuille d'érable. Mais moi, je veux que l'urbanisme révisé aussi soit égal pour tout le monde. Ça, c'est concernant le jardinage. D'autres choses, si la ville dépense l'argent, est-ce que dépense l'argent dans le chemin de culturel sur la décoration Noël? Moi, je pense que le Nouvel An chinois aussi, c'est une journée observée à Ottawa. Mais en ce moment, on peut aussi dépenser, s'il n'y a pas de dépense sur Noël par le municipal, par la ville, moi, je n'ai pas, je n'ai pas de ces sortes de souhaits. Mais la dernière fois, pas la dernière fois, avant, j'ai entendu, il y a des citoyens qui voulaient célébrer Halloween. Mais moi, je pense qu'il y a des dépenses sur Halloween, mais moi, je veux que la dépense promouvoir des orientales ou des festivals. Ah, ben on en prend bonne note. Oui. Ça, c'est la deuxième question. Troisième, concernant le jardinage encore. Il y a fédéral, il y a des vérités, réconciliation. Moi, je pense que mon jardinage soit en ligne avec le jardinage autochtone, réserve. En ce moment-là, concernant réconciliation, avant le gouvernement municipal, il y a des litiges. Vous savez, il y a des litiges contre moi. Maintenant, je veux que, si c'est possible, on fait une réconciliation. Je vous encourage à réconsidérer. Est-ce que c'est vraiment nuance ou juste c'est un élégie visuel? Selon le chef de cour d'appel du Québec, Madame mentionnait loi 21 provinciale. Il y a des gens voir les musulmans, les dames apporter le foulard. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, c'est un allergie visuelle. Moi, je pense que moi aussi, c'est une victime d'allergie visuelle. Il y a des voisins qui n'aiment pas mon jardinage dans un mode autochtone ou quoi. Mais en fait, c'est plus profond, parce que chemin de vélo, vous voyez, c'est tout à fait, c'est un style de mode autochtone. Les plantes, c'est haut, à côté du chemin de vélo, parallèle à
pour neuf. Mon jardin, juste vu, c'est cette vue. Si vous passez pour neuf, vous voyez mon jardin. Et plus profond, c'est le chemin de vélo, la plante, très haut. Mais quand même, ça, c'est une propos suggestion dans un esprit de réconciliation. Okay. Avec ça. Ça, c'est le troisième. Quatrième, c'est la bibliothèque. Il y a des jeunes petites, 12 ans, entre les zones d'adultes, utilisent ordinateur. Mais moi, je pense que CRIAB, c'est vendre c'est pour les jeunes. Mais malheureusement, les DPJ enlevaient mes enfants. Mais quand même, adultes, moi, je pense que aussi pour accès CRIAB. Si vous voulez créer quelque chose pour Halloween, créer quelque chose. Mais moi, je pense que pas de discrimination pour les âges. Si le petit, le grand, on peut aller à CRIAB. Mais pour les zones de la bibliothèque ordinateur, souvent c'est les adultes, mais quand même il y a des jeunes, des enfants entre eux. Moi, je veux que vous considérez. Qu'on réfléchisse à ça. Parfait, excellent. La dernière deux questions, parce que moi j'utilise IXO, l'autobus. 7.4, désignation. Désignation, ça veut dire nomination ou ça veut dire appel offre ou encourage de candidature. Moi, je ne savais pas. Si moi, je suis qualifié de devenir candidat, j'aimerais être là aussi, proposer ma candidature, être désigné comme candidat au conseil administration pour les IXO. Ah non, ben seulement pour ces nominations-là, c'est oui. Que le conseil de ville va désigner des gens qui sont déjà membres du conseil de ville. Donc, je vais vous donner un exemple là, pour EXO. C'est les maires de Terrebonne, la mairesse de Blainville et le maire de Deux-Montagnes. Oui. Donc, nous, comme conseil, merci. On fait une nomination, on recommande ces maires-là pour siéger à ces organismes-là. OK, merci. Présentement, je ne sais pas c'est qui, mais... Vous allez le voir un peu plus tard quand on va arriver au point. D'autres nominations aussi, c'est pour le citoyen ou c'est déjà le membre élu. C'est 7.5, nomination membre de comité consultatif d'urbanisme. 7.5. Oui, alors pour... Aussi, c'est pas pour le citoyen. Non, il y a des citoyens qui siègent au CCU, donc il y a déjà des citoyens qui y étaient là, avant notre arrivée. Mais si jamais vous avez de l'intérêt, là, et puis là, on en prend bonne note, là, comme quoi vous l'avez signifié. Oui. Mais pour le moment, là, ça va être notamment là, les élus qui vont siéger au comité consultatif d'urbanisme. Oui, oui. S'il y a des ouvertures, j'aimerais participer ici. La dernière question, est-ce que M. Legault, je vois différence, il n'y a pas de policiers, mais avant, il y a des... Est-ce que M. Legault reviendrait avant... Oui. Ben là, pour le moment, on a M. Lompré, là, qui est directeur général adjoint de la ville, donc qui fait très bien le travail. Monsieur travaille avec M. Legault, c'est ça? Oui, Legault. Exact. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, pour la dernière question, mais non la moindre, M. Jean Langlois. J'ai entendu tantôt le commentaire de M. Captezi qui parlait de lampadaire. Premièrement, bonsoir à tous. La rue du Partage, on a déjà fait une première en installant un système solaire. Je vous invite d'aller le voir. Et d'autant plus parce que Quartier Neuf, vous avez fait état de ça. Effectivement, les gens de la rue Larrivée, par rapport au parc Germaniel, les gens me le demandent depuis 4 ans. Alors, madame, je vous lance le dossier que le parc Germaniel, les gens aimeraient avoir de l'éclairage. Effectivement, si vous dites qu'il y a une ouverture de ce côté-là, le parc Germaniel, c'est la noirceur totale. Alors, il y a des gens de la rue Larrivée qui me le demandent depuis 2017. Alors, ça serait à revoir et de l'analyser parce que c'est déjà dans les livres de la ville. Ça serait une première d'installer des lampadaires, possiblement solaires à cet endroit-là. L'analyse se fait actuellement depuis 2 ans et demi. Ce n'était pas mes questions. Ma première question, ça rapporte justement au quartier Neuf, Mme Gendron. Les rues Labadie, la rue Larchevêque, la rue Allard et la rue Gagné du quartier 5, il y a des fuites d'eau depuis belle lurette. Même lorsque vous étiez conseiller municipal en 2017,
la rue Labadie, à ma grande surprise, j'admets mal que ça avait toujours une fuite qui était voulue à cause de l'eau trouble à l'extrémité de la rue Labadie. Exactement au 31 rue Labadie, une entente aurait été prise, selon les données que j'ai de l'accès à l'information, qu'on peut laisser couler l'eau de façon continue, et ceci depuis 5 ans. On a demandé aux gens de la ville de Repentigny cette année, du 7 juin au 23 juin, de se restreindre à l'usage de l'eau. Je vous invite fortement au Conseil des villes, M. Dufour, d'analyser ce que je viens de vous dire au niveau de ces trois rues-là. On parle d'une distance approximative de 600 à 900 pieds, ces trois rues-là qui partent de le boulevard L'Assomption à la rivière. Tout l'argent alloué à cette ville qui s'en va vers 154 millions de dollars, il m'apparaît anormal que les rues Labadie, l'Archevêque et Allard, que j'ai découvert 2 semaines avant l'élection pour la rue Allard. Aujourd'hui, je suis allé voir pour voir si ça coulait toujours. Ça ne coule pas. Sauf que j'aurais à vous demander des explications de la rue Labadie. Il y a une installation qui a été faite qui semble encore avoir de quoi, qui sort du garage ou de la bonne fontaine, qui amène de l'eau en continu vers la rivière. C'est de l'eau traitée à 3,95 $ du 1000 gallons. C'est inadmissible. Je vous le dis, c'est inadmissible. C'est un dossier que je vais suivre dans l'évolution des 4 années à venir. J'espère que ça va se régler. Vous débloquez de l'argent pour régler ça, c'est inadmissible. Puis je vous lance la rue Gagné. Semble-t-il que j'ai eu des rumeurs que la rue Gagné, il y a une fuite sous terre de la rue Gagné, justement pour restreindre de l'eau qui est brouillée à cet endroit-là. La rue Gagné, ça va jusqu'au fleuve. Et encore une fois, pour éviter d'avoir de l'eau brouillée, on laisse couler l'eau en continu, mais cette fois-ci, c'est sous terre et des citoyens qui l'ont vu. Alors, il faudrait peut-être arrêter ça immédiatement puis trouver une solution. Si vous ne la connaissez pas, la solution, je pourrais vous le dire. C'est assez d'ouvrir la rue, faire en sorte de faire un U, de retourner sur le réseau par le boulevard L'Assomption dans le cas du quartier Neuf, faire un aller-retour côté pair-impair lorsque les gens prennent de l'eau d'un côté de l'autre de la rue. Ce n'est pas une conduite unitaire qui s'en va directement vers la rivière, mais une conduite en U pour qu'il y ait une circulation quelconque de l'eau. Fait que ça, j'aimerais ça vous porter une attention spéciale là-dessus, parce que ça n'a aucun bon sens. On en prend bonne note. Merci. Un peu d'histoire. Il y a 24 ans, novembre 1997, Chantal Deschamps arrive au pouvoir. Elle avait dit ceci, puis je vous expliquerai ce que vous avez dit concernant votre situation des taxes. Ça s'en vient jeudi. Elle avait dit, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez être heureux, M. Langlois. Oui, j'imagine, ouais? Parce que vous aviez dit que vous aviez parole, vous tenez parole, puis ça, j'apprécie ça. Gel du taux de taxe, selon l'analyse de la situation financière, c'est ce que Chantal Deschamps avait dit en 1997, pour malheureusement apprendre. Puis ceux et celles qui pensent que des évaluations de propriété, ça ne baisse pas, bien, le rôle 98, 99, 2000, les propriétés ont dévalué. Puis je n'ai pas à vous parler aussi de 2008, ce qui est arrivé dans le marché, les propriétés ont dévalué. Là, on apprend qu'il y a une hausse d'évaluation substantielle, comme vous le savez. Mais à ce moment-là, on est à 1,4 $ d'évaluation, puis il fallait monter à 1,13 $ pour arriver à un gel du taux de taxation. Sachant bien qu'on avait une évaluation triennale pour 98, 99, 2000 d'une baisse, il fallait compenser par un ajustement pour le gel à 1,13 $ pour arriver à un gel de taxe. Et là, contrairement de le mettre à 1,13 $, la mairesse le montait à 1,21 $. Ma grande déception, parce que je parlais pour Chantal dans le temps, et ça m'a obligé de voter contre ce budget-là. Puis là, ça a commencé, cette histoire-là, en 1997, avec beaucoup d'amertume. Alors, j'ai voté contre ce budget-là, puis l'histoire, bien, vous la connaissez. Alors, vous ne serez pas amer jeudi, mon cher. Bien, non, j'ai confiance, parce que vous l'avez dit, vous l'avez écrit, puis vous l'avez redit le 16 novembre dernier. Alors, les rôles 2001, 2002, 2003, rôle triennal 4 à 6, rôle 2007, 2009, en tout cas, on voit jusqu'à 2022, 2023, 2024, qui est le rôle, le nouveau rôle qui s'en vient. Je n'ai pas été voir mon compte de taxes, okay, mais j'en entends parler dans le porte-à-porte. Il y a des gens dans le secteur un peu plus cosu, je dirais, du tournant du boisé. Les gens m'ont dit qu'il y avait des hausses jusqu'à 80 000 $. Alors, si vous avez mentionné dans votre programme respecter la capacité de payer des contribuables et geler le compte de taxes en 2022. J'ose croire qu'on se comprend bien qu'une maison qui passe de 500 000 à 600 000, il y a un réajustement du taux qui fera en sorte qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes. Mais 2023, je dois vous dire, que ça c'est une autre histoire, on verra la position 2023 de l'administration actuelle, comment le taux va être réajusté pour compenser des hausses de 2,5 %,
Mais là, qu'on a une inflation qui joue à 4,7-5,4, ce qui ne cesse d'augmenter, soit dit en passant, ça, c'est tout nouveau. Qui est un réajustement de l'économie aussi. On se reparlera l'année prochaine, voir si l'IPC va être aussi élevé, parce que vous savez que présentement, avec l'économie qu'on a et la reprise, ça s'est emballé. Le Québec est premièrement un modèle en termes d'augmentation du développement économique dans le monde. On était à pas loin de 6 % prévu de taux de croissance. C'est exceptionnel dans le monde pour ce que le Québec est en train de faire. Donc, il y a une phase de transition vers une nouvelle économie. On verra l'année prochaine si on va encore avoir des taux d'inflation aussi élevés. La Banque du Canada travaille sur du 2 % pour l'année prochaine. Alors, je n'ai pas trop d'inquiétude pour les prochaines années. Vous nous connaissez bien, M. Langlois, là, avec notamment des gens comme Jacques Prescott, là, au niveau des finances. Là, on va être extrêmement rigoureux. On a même déjà annoncé une première en disant un gel du salaire du maire et des conseillers. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais ça vous donne déjà une idée de l'état d'esprit qui nous anime face au budget là, qu'on va dévoiler jeudi. Et je vous le répète encore, là, j'espère que vous allez être présent jeudi. Puis j'espère même que vous allez, dans les prochains jours, venir avec votre compte de taxes. Je pense que vous allez être bien heureux des premiers gestes qu'on pose comme nouvelle administration. Heureux déjà de l'apprendre, merci. Alors, bien entendu, pour rappeler aux gens qu'un rôle triennal d'évaluation, on doit se reculer 18 mois antérieurs, qui nous amène au 1er juillet 2020. Puis, sachant qu'en juillet 2020, on n'a pas connu les hausses qu'on a connues au printemps 2021, hein, sachant tout ce qui s'est passé dans le marché, dans mon coin, c'est assez exceptionnel, la hausse des ventes de propriétés. Alors, il faut bien comprendre que le 1er juillet 2020, moi, je vous le dis d'avance pour ceux et celles qui vont nous écouter à la maison, qui ont moyen de contester une évaluation, si jamais ils trouvent que l'évaluation est trop élevée, il faut bien se mettre dans le contexte du 1er juillet 2020 et non de 2021. Ça, je veux juste le rappeler parce que je sais que le nombre de propriétés puis les évaluations qui se font beaucoup plus que la normale, je pense qu'on triple le volume d'évaluations de propriétés depuis les dernières années et que les maisons de 500 000 et plus, maintenant, c'est une taxation à 3 % au lieu de 2,5. À vrai dire, la taxation est sur la taxe de bienvenue, M. Langlois. La taxation, excusez-moi. C'est deux choses différentes. Faut, la taxe de bienvenue. Il ne faut pas induire les citoyens en erreur. 1,5, 2,5, 3 % pour la taxe de bienvenue. Donc, on parle de la taxe de mutation. Qui va vous rapporter pas loin d'un 10 400 000 selon ce que je vois au niveau pour acheter. Ce qui va nous permettre d'investir dans. Qui va vous permettre d'avoir une marge de manœuvre pour arriver au gel de taxe. Exact. Troisième prime de départ. Vous savez, il y a trois élus qui ont décidé de ne pas se représenter, M. Hinault, Robinson, puis Mme Pelletier. Puis le 7 novembre, le verdict nous amène un nouveau conseil. Il y en a neuf qui ont perdu les élections, dont moi-même. J'ai eu une prime de départ avec une prime de transition. Mais si vous faites le calcul, puis sûrement le chiffre vous est venu aux oreilles. Pas du tout. Ben, je peux vous dire que ça doit jouer entre 800 000 et 1,1 million. En prime de départ. Ah, pour total, je ne savais pas pour la vôtre. Non, je parle de l'ensemble, OK, puis la mairesse, puis ces 24 années. Êtes-vous prêt à faire un don à la ville de Repentigny pour compenser puis nous aider dans l'atteinte du compte de taxes? On verra. Déjà, j'en fais mais pas je mal prends, de dons. Mais je prends bonne note. Oh, ouais. Là-dessus, je prends bonne note. On verra, j'ai dit, on verra. OK. Comme mais si vous pouvez inspirer verra, vos autres collègues comme aussi. Comme j'ai dit, on verra pour 2025-2029 s'il y a une suite dans mes idées. Alors, merci, M. Miron. Effectivement, nos organismes communautaires ont besoin d'aide, surtout à la veille du temps des fêtes. Donc, j'invite les anciens élus qui ont eu des généreuses primes avant le temps des fêtes, là, s'ils veulent faire une contribution, aider nos organismes dans le milieu, là, je pense le que ça le message est passé, M. le maire. Le message est passé. Bien, tant qu'à ça, on va parler aussi du directeur du cabinet que je vois ici. Je ne sais pas s'il est encore là, je l'ai vu tantôt. Toujours. Toujours là. Vous savez, le directeur du cabinet, bon, disons que dans le passé, j'ai déjà eu une discussion avec lui. Ça n'a pas été un échange amical, mais c'est pas grave. Moi, je suis capable d'en prendre, comme vous le savez. Alors, directeur du cabinet 2005-2009, j'avais vu son contrat. Après ça, il y a eu 2009-2013. Il nous a quittés, semble-t-il, qu'il était fatigué, ce que j'entends dire. Et puis, bon, monsieur avait peut-être 67-68 ans. Aujourd'hui, bien, monsieur Camiran, si on calcule bien, il doit pas loin de 74 ans. Je présume qui est juste là pour une transition, mais la question que j'aurais à vous poser… Je m'entoure de gens d'expérience, c'est ce que vous me dites? Non, c'est toujours bon d'avoir de l'expérience, mais il y a un âge, à un moment donné. Il y a des sénateurs qui quittent à 75, je tiens juste à vous le dire. M'offrez-vous vos services, M. Langlois? Je ne suis pas encore rendu là, okay. Dans mon cheminement. Ça me surprendrait.
Puis, ben, je voudrais savoir, parce que Mme Micheline Charpentier, j'étais au courant de son salaire, elle a fait 8 ans, mais le contrat a été signé, mais on n'a pas de document, bien entendu, c'était juste un message dans mon cas, là, je veux dire, je n'ai pas été voir. Ah, bien, c'était à la dernière séance du conseil. Oui, dans le procès-verbal, je ne sais pas si on voit du détail, mais je le demanderai par l'accès à l'information, ça m'intrigue de quand même savoir quelle est l'entente. Est-il une entente temporaire, transitoire, 4 ans? On sait qu'il y a un maximum de 4 ans pour une élection. Puis j'aurais voulu savoir le salaire aussi, s'il y a une majoration par rapport au salaire de Mme Charpentier. C'est le même salaire. L'ensemble des élus, on augmente de 2,5, col bleu, col blanc, brigadier, brigadière, police, policier, pompier. C'est 2,5 contrats qui avaient été signés 5 ans. Mais je vous dirais, les contrats de chef de cabinet, premièrement, ne sont pas signés sur 5 ans parce que de toute façon, on ne peut pas dépasser le mandat qui nous est offert, qui est une durée de 4 ans. Donc, je serais surpris de voir un contrat normal. J'ai moi-même déjà été chef de cabinet, donc je sais très bien comment sont faits ces contrats-là. Seulement vous dire, M. Camiran, exactement le même salaire que Mme Charpentier, qui avait le même salaire que M. Camiran à l'époque, donc ça n'a pas beaucoup bougé, ça n'a pas augmenté. On est loin des augmentations de 2 % de nos employés qui, eux, soit dit en passant, le méritent bien, bien sûr, avec les conventions qui ont été signées. Et donc, c'est exactement le même contrat qu'à l'époque là, qu'avait Mme Charpentier. Parfait. Je ne ferai pas de cachette, on est toujours un peu sur un siège éjectable comme chef de cabinet, j'ai moi-même passé par là. Alors, je le demanderai quand même le salaire, puis l'entente qui était quand même statuée ici le 16 novembre dernier. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ceci met fin à la période de questions du public. Merci à tous d'avoir participé. Et on vous encourage encore à venir en grand nombre à poser vos questions au conseil municipal. On est là pour ça. Donc, on passe au point 4, approbation du procès-verbal du 16 novembre 2021. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, le point 5, dépôt de divers documents. Donc, on vous dépose 4 documents ce soir. Ce sont des procès-verbaux de rencontres du comité exécutif, des rencontres du 5 octobre et du 14 octobre, et dernièrement du 11 novembre et du 17 novembre. Merci beaucoup. Alors, point 6, dossier d'urbanisme. Aucun dossier d'urbanisme. Donc, le point 7, les affaires courantes. 7.1, octroi des contrats achats regroupés de produits chimiques pour l'année 2022. Désolé. Ben non, pas de problème. Donc, la Ville procède par achat regroupé avec différentes villes qui ont les mêmes usines que nous, donc qui traitent l'eau à peu près de la même façon que nous. Donc, un produit d'achat chimique regroupé, puis on bénéficie d'un rabais de groupe en y allant à l'appel d'offres de cette façon-là. Fait que ce que vous avez recommandé, c'est de prendre acte et de confirmer l'octroi des contrats pour la fourniture des produits chimiques pour l'année 2022 pour la Ville de Repentigny aux firmes inscrites au tableau comparatif qui est joint en annexe du sommaire décennel parce qu'il y a plusieurs sortes de produits qui sont utilisés dans nos différentes usines suivant le sommaire décennel 2021-06-73 suite au regroupement d'achat auquel a participé la Ville, celle-ci ayant présenté les plus basses soumissions conformes aux documents contractuels pour chacun des produits inscrits au bordereau de soumission, le tout suivant le sommaire décennel 2021-06-73, cette dépense est financée par leur budget du fonctionnement suivant les termes du règlement numéro 536. Merci beaucoup, M. Lompré. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Merci. Je seconde, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, 7.2, dépôt, rapport d'Oudi, Commission municipale du Québec, adoption du budget municipal et PTI. Dans le cadre des travaux que font la Commission municipale du Québec, donc, ils font des audits à l'ensemble du Québec sur différents dossiers. Puis, dans notre cas, ça a été des audits relativement à la conformité du processus encadrant l'adoption du budget municipal et du programme triennal d'immobilisation. La Ville de Repentigny a obtenu une note parfaite, 100%, donc lesquels ont été rendus publics les 25 et 30 novembre 2021, et ce, tel que requis par la loi, lesquels sont joints au sommaire décisionnel. Donc, on doit les déposer officiellement au conseil municipal. Puis, les élus en ont eu connaissance avant que ce soit déposé officiellement. Alors, merci beaucoup. Et Mme Boissonneau, vous pourrez féliciter l'ensemble de votre équipe ainsi que l'administration pour cette note parfaite dans cet audi. C'est très apprécié. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. 7.3, adoption, approbation des calendriers des séances ordinaires du conseil municipal 2022.
Donc, on vous dépose ce soir le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2022. La loi nous oblige à le faire de cette façon-là. On le publicisera par la suite par avis public et par le journal, le bulletin municipal. Donc, si on le consulte rapidement, c'est le deuxième mardi de chaque mois, sauf pour le mois de janvier. On le déplace au troisième mardi, donc le 18 janvier. Si ça vous convient, on vous propose de l'approuver et on fera la publicité qui s'impose là, pour que la population en soit informée. Excellent, merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose. Merci. Et j'appuie. Merci beaucoup. 7.4, donc on nous demandait justement tout à l'heure des indications sur le transport à la demande. Alors déjà là, on va pouvoir nommer ce soir nos représentants élus pour le réseau de transport métropolitain EXO, désignation de candidats au conseil d'administration. Donc comme vous l'avez expliqué tantôt, EXO, au sein du conseil d'administration, il y a des sièges qui sont réservés pour les représentants de la Couronne-Nord, ce sont tous des élus. Donc, il y a eu une rencontre des maires et préfets de la Couronne-Nord où il a été décidé de demander aux municipalités membres de la Couronne-Nord de désigner 3 élus pour siéger au sein d'EXO suite aux dernières élections municipales. Donc, la proposition que vous avez ce soir, c'est de désigner M. Pierre Charron, qui est maire de Saint-Eustache, Mme Lisa Poulain, qui est mairesse de Blainville, et M. Mathieu Traversy, qui est maire de Terrebonne. Donc, à titre de candidat au poste de membre du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain EXO. EXO tiendra une rencontre en début d'année l'année prochaine. Donc, on communiquera la résolution à l'organisme pour qu'elle puisse convoquer les membres en conséquence. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, on les félicite. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, en 7.5, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y a actuellement un règlement qui constitue un comité consultatif d'urbanisme suite aux dernières élections. Le conseil doit nommer les élus qui siégeront au sein de ce comité-là. Donc, vous avez une proposition ce soir de nommer M. Kevin Buteau, conseiller municipal du district 10, lequel agira aussi comme président du comité. Mme Jennifer Robillard, qui est conseillère municipale du district 8, et M. Luc Réaume, qui est conseiller municipal du district 4. Donc, on fait ces nominations, comme je vous l'ai dit, en conformité avec le règlement numéro 3, qui est le règlement qui a constitué le comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, je vous félicite déjà d'avance. Bravo pour votre nomination. Bon mandat. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Merci. J'appuie, M. le Président. Oh, mon Dieu, c'est unanime. On sent l'enthousiasme. Mais c'est vrai que les dossiers d'urbanisme nous passionnent. Est-ce que vous étiez correct pour votre secondaire, Maître Garceau? Oui, merci. Parfait, excellent. Donc, à 7.6, un autre dossier qui va nous être fort important pour notre administration, bien sûr, là, ce qui est la question du conseil d'administration de l'OMH de Lanaudière-Sud et la nomination des représentants qu'on sait. L'importance des dossiers de logement abordable. Maître Garceau. Donc, simplement pour vous rappeler que l'OMH de Lanaudière-Sud est un organisme, en fait, qui a été constitué pas plus tard qu'il y a à peu près un an et demi. C'est le regroupement des OMH qui était actuellement sur le territoire des villes de Charlemagne, Repentigny, Mascouche et Terrebonne. Donc, il y a eu un regroupement pour uniformiser les services et les méthodes de gouvernance. Il y a un siège qui est réservé pour la ville de Repentigny au sein du conseil d'administration. Donc, ce soir, vous avez une proposition de nommer Mme Jennifer Robillard, conseillère du district numéro 8, à titre de représentante de la ville de Repentigny au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation de la Lanaudière-Sud, ainsi que M. Luc Réaume, conseiller municipal du district 4, à titre de substitut de Mme Robillard. Merci beaucoup. Alors, félicitations encore une fois. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.7, donc octroi de mandat de service professionnel, plan et devis pour la réfection du système d'aération des étangs aérés. Oui, la ville de Repentigny a des étangs aérés qui desservent une partie du nord de notre territoire ainsi que la ville de Charlemagne. Donc, c'est des équipements qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 366 jours par année. Sont rendus à fin de vie utile, donc on planifie la réparation, le changement de certains systèmes d'aération aux étangs aérés, donc dans le secteur nord de Repentigny. 4 soumissions ont été ouvertes, reçues ou publiquement, donc la partie qualitative des soumissions, le 6 octobre 2021, à savoir Tetratech QI Incorporé, GBI Expert Conseil Incorporé,
les services EXP incorporés puis FNX Innov incorporés. Attendu sommaire décisionnel qui porte le numéro 2021-062. Attendu la recommandation du comité exécutif qui est consigné à la résolution CE-556-08-12-21. Nous vous recommandons d'octroyer à la firme FNX Innov le mandat pour l'octroi d'un mandat de service professionnel. Donc, on parle des plans et devis. Donc, on prévoit la réparation des installations. Donc, c'est pour la réfection du système d'aération des étangs aérés. Cette firme ayant déposé la soumission et obtenu le meilleur pointage sur la base des critères d'évaluation prévus au document contractuel 2021 SPP 141 au montant de 270 519,20 taxes incluses. Le tout suivant sommaire décisionnel 2021-0672. Pardon, cette dépense est financée par le règlement d'emprunt décrétant cette dernière en conformité avec les termes du règlement numéro 536. Merci beaucoup, M. Lompré. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. Donc, on tombe à 7.8, octroi de mandat de service professionnel pour la préparation des plans de vie et la surveillance des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Notre-Dame, entre Bonaventure et Lévesque. Oui, on prépare nos travaux pour la saison 2022, donc le tronçon, un tronçon parce qu'on a terminé les travaux jusqu'à Bonaventure, donc là, on prévoit le tronçon entre Bonaventure et Lévesque. Donc, on est allé en appel d'offres, on a demandé des soumissions par appel d'offres public en publiant un avis dans le journal et sur le système électronique SAO. C'est pour les postes services professionnels, donc nos ingénieurs qui vont réaliser la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux pour la réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame. C'est le tronçon entre Bonaventure et Lévesque, le contrat 2021 SPP 161. Cette soumission a été reçue ouverte publiquement, partie qualitative seulement, le 24 novembre 2021, à savoir FL Expert Conseil, le groupe conseil Génie Pur, CIMA Plus, Parallèle 54 Expert Conseil, Shellex Groupe Conseil, IGF Axiom, GBI Expert Conseil. Attendu le sommaire décisionnel qui porte le numéro 2021-07-01, la recommandation du comité exécutif qui est consignée à la résolution CE-557-08-12-21. Nous vous recommandons d'octroyer à la firme Shellex Groupe Conseil le mandat pour les services professionnels, donc la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Notre-Dame, le tronçon entre Bonaventure et Lévesque. Cette firme ayant déposé la soumission ayant obtenu le meilleur pointage, on parle d'un montant de 181 315,58 taxes incluses, le tout suivant sommaire décisionnel 2021-07-01. Que la dépense relativement à la préparation des plans de vie de cette dernière soit financée par le ou les règlements d'emprunt décrétant cette dernière en conformité avec les termes du règlement numéro 536. Que l'octroi du contrat concernant la surveillance des travaux soit conditionné à l'adoption et la promulgation du règlement d'emprunt décrétant cette dépense et pourvoyant son financement, le tout suivant les termes du règlement numéro 536. Merci beaucoup, M. Lompré. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 7.9, rôle de perception de la consommation de l'eau. Oui, je peux peut-être juste vous expliquer la demande. Donc, à chaque année, c'est le rôle de la trésorière de déposer le rôle spécial de perception de la consommation de l'eau avant la fin de l'année. Pour l'année 2021, la période de référence de mesure de la consommation de l'eau est du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. La base de taxation est décrétée via le règlement de tarification et cette consommation sera imposée sur le compte de taxe 2022. Donc, ici, il est proposé de prendre acte du dépôt du rôle spécial concernant la perception du coût de la consommation d'eau potable, tel que le prévoit l'article 501 de la Loi sur les cités et villes, le tout suivant le sommaire décisionnel 2021-06-78, et qu'un avis soit publié dans le journal local prochainement afin d'en informer la population. Merci beaucoup, Mme Boissonneau. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose, M. le Président. Normand Urbain, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe en 7.10, approbation, renouvellement et octroi de contrat d'assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Je peux vous présenter le point, Monsieur le maire. En fait, on est allé en appel d'offres pour une partie du programme d'assurance de la ville de Repentigny qui devait être renouvelé parce que ça faisait 5 ans que le contrat est en vigueur et la loi nous oblige à le renouveler après cette période-là.
Donc, ça concernait en fait toutes les assurances générales de la ville, les biens, les véhicules, etc. Et on avait une autre assurance qui est dans un autre chapitre de notre grand portefeuille qui concerne la responsabilité civile de la ville et celle des officiers municipaux qui est en reconduction. Donc, notre expert a renégocié les primes de ce contrat-là et on est allé sur le marché public pour le premier volet que je vous ai expliqué. Une seule soumission a été reçue le 8 décembre dernier qui a été déposée par la firme Eon Parisot pour une prime de 546 748 $36. On a analysé la proposition d'affaires de Eon qui était conforme presque en tout point à ce qu'on avait demandé. Il y a deux petites variables au niveau des franchises, mais qu'il n'y a pas d'incidence sur le prix parce que le prix étant inclus dans une autre, c'est très technique, là, dans une autre prime, mais score net, si on vous recommandait de ne pas aller dans cette direction-là, bien, certains véhicules, outils n'auraient pas été assurés. Et pour l'autre, c'était une question de franchise et ça n'avait pas d'incidence au niveau financier. Donc, on vous propose ce soir deux choses. La première, c'est de renouveler le contrat 2020 SP186, donc l'année 2, avec la firme Eon Parisot Incorporée pour le volet des assurances responsabilité civile des officiers publics et responsabilité civile de la ville. Donc, c'est une prime de 199 470 $ à laquelle il faut ajouter la taxe provinciale. C'est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Si, juste peut-être pour vous expliquer que c'est un écart de 10 % par rapport à la prime de l'année dernière. Et dans un deuxième temps, d'octroyer à la même firme les contrats pour le volet relatif à l'assurance générale, donc les biens, bris de machines, automobiles, responsabilité des fiduciaires, crimes et accidents, pour une prime de 501 604 $ à laquelle on devrait ajouter la taxe provinciale. Je vous suggère de prendre l'option de la franchise à 50 000 pour la section des biens parce que c'est celle qui est la plus avantageuse. C'est toujours pour la période du 1er janvier au 31 décembre parce que la compagnie a déposé une soumission qui était conforme à nos attentes en vertu du contrat qu'on a proposé sur le marché. C'est une hausse de 19 % par rapport à l'année dernière. Simplement pour rappeler qu'on va travailler très fort ce dossier-là avec ce qu'on apprend aussi au quotidien avec la situation des assureurs à travers le monde qui n'arrêtent pas de débourser suite à des catastrophes naturelles. Donc, on a un grand questionnement puis on a déjà commencé notre réflexion. Donc, on va se servir de la prochaine année pour essayer d'avoir des bonnes protections, mais d'avoir aussi des primes qui sont en conséquence. Donc, si ça convient au conseil, bien, ça prendra en fait un proposeur puis un appuyeur. Merci beaucoup. Puis effectivement, c'est une réflexion qu'on va avoir au cours de l'année. Les primes d'assurance explosent partout à travers le monde. Là, c'est un phénomène mondial avec les changements climatiques. Dites-vous que si vous le vivez personnellement quand vous renouvelez vos propres assurances, imaginez quand c'est le tour de la ville de se faire assurer. Et tout part des assureurs, donc les fonds qui font qui sont les financiers pour les compagnies d'assurance à travers le monde. C'est une problématique qui est mondiale, qui touche toutes les sphères. J'ai déjà été dans l'hôtellerie. On vivait la même problématique pour nos hôtels déjà il y a quelques années. Donc, on a entamé là, déjà avec Maître Garceau, avec Mme Boissonneau, ainsi que l'administration et l'équipe de conseillers, une réflexion là, pour trouver des façons de s'assurer sans nécessairement faire exploser le compte de taxes des citoyens. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vous le propose, M. le Président. Merci beaucoup. J'appuie. Donc, on passe au point 8, alors sécurité urbaine, modification de la signalisation routière, retrait de signalisation d'un arrêt obligatoire à la rue Payette. Oui, si vous permettez, suite à l'analyse qui a été faite par le service de police, donc on vous recommande de décréter le retrait définitif des panneaux d'arrêt obligatoire dans la courbe face au 191 rue Payette. Le tout suivant le sommaire décisionnel 2021-05-85. Merci beaucoup. Alors, vous allez voir, c'est rare qu'on fait des retraits d'arrêt stop. C'est pas dans la pratique courante, mais ceci dit, le secteur était un secteur où c'était dans une courbe. L'arrêt stop n'avait aucune utilité. Les gens non seulement ne pouvaient pas nécessairement le faire parce qu'ils n'étaient pas visibles. On était directement dans une courbe. Ça devenait quasiment plus problématique. Alors, notre conseiller là, va aller aussi à la rencontre des citoyens pour passer le mot. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup.
Alors, on n'avait rien pour gestion du capital humain. On tombe au point 10, donc règlement. En premier projet, on n'avait rien. En second projet, on n'avait rien. 10.3, présentation des projets de règlement et avis de motion. 10.3.1, 578, le règlement sur la gestion contractuelle. Oui, on vous propose ce soir, en fait, d'enclencher le processus de modification à la réglementation actuelle. Il y a un règlement sur la gestion contractuelle. Il y a deux éléments qu'on vous propose dans cette modification-là. D'abord, c'est une refonte parce qu'il y a une problématique de numérotation d'articles, ce qui est quand même facile à corriger. L'autre élément, c'est que le projet de loi 67, qui a été adopté au tout début de la pandémie, obligeait les organismes publics à avoir des mesures dans leur règlement de gestion contractuelle qui favorisaient l'achat local. Il y avait un seuil proposé qui pouvait varier entre 5 et 10. On avait joué avec deux versions à l'époque et la version qui était entrée en vigueur, c'était 5 %. Donc, on vous propose, si ça vous convient, d'aller au seuil maximal, ce qui va faire en sorte que pour les contrats de 25 000 à 50 000 $ il y aura un avantage pour l'entrepreneur local. Là, c'est 5 %. Ce qu'on vous propose, c'est 10 %. Et pour les contrats qui sont de 50 000 et 1 $ jusqu'au seuil d'appel d'offres, on vous propose aussi de faire l'ajustement, c'est-à-dire de passer de 5 à 10 %. Pour qu'on puisse, à ce moment-là, dans nos actes contractuels, appliquer ces dispositions-là pour stimuler l'économie locale en temps de pandémie. Merci beaucoup, Maître Garceau. Aider notre économie locale, on est toujours présent. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci, Mme Roux. Donc, on passe à 10.3.2. Donc, à 10.3.2, annuellement, on révise la grille des tarifs qui sont en vigueur actuellement à la Ville. Donc, services demandés par le citoyen, services rendus, il y a la tarification qui s'applique en conséquence. Ce qu'on fait, c'est un petit peu d'études comparatives avec les autres municipalités, mais on voit aussi comment ça coûte offrir ces services-là à la population. Donc, on vous a remis un document qui fait le survol des propositions qu'on vous fait, qui est en fait simplement de l'indexation. Il n'y a pas de nouveaux tarifs. On le fait en décembre pour pouvoir lancer le processus. On pourra l'étudier au retour des vacances des fêtes. Et à la séance du 18 janvier, on pourra venir préciser ce à quoi on fait référence, parce que ce qui va être important, c'est que le règlement soit en vigueur en début d'année, pour qu'on puisse faire les inscriptions dans les programmations, les différents camps, différentes activités qu'on va offrir à la population. Donc, on enclenche le processus ce soir en donnant l'avis de motion et on le revoit tous au retour des fêtes et à la séance du 18 janvier prochain. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Prescott. Donc, on tombe à 10.3.3. 579, règlement décrétant, l'imposition des taux de la taxe foncière générale, des taxes foncières spéciales et des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville pour l'exercice financier 2022. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, on se prépare dans le processus budgétaire à se rencontrer jeudi pour que le Conseil puisse adopter son budget et son programme triennal d'immobilisation. Donc, afin d'être prêt, ce qu'on vous propose, c'est d'enclencher le processus pour adopter le règlement de tarification qui va être en vigueur en 2022. Donc, les taux, ils sont décrétés et proposés. Ces taux-là sont cohérents avec le projet de budget que vous avez entre les mains actuellement. Donc, si ça tient la route jusqu'à jeudi, le Conseil pourra adopter son budget et à ce moment-là, on vous proposera d'adopter le règlement de taxation, ce qui permettra au service des finances, en fait, de procéder à l'impression des comptes de taxes et de pouvoir les poster au retour des fêtes en janvier. Ça permettra aussi au Conseil de disposer des crédits à compter du 1er janvier 2022. Donc, on vous propose de lancer l'avis de motion ce soir et de poursuivre l'adoption jeudi à la suite de l'adoption du budget. Excellent. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup, M. Urbain. Donc, merci beaucoup. Alors, à l'intervention des membres du Conseil. Donc, on avait des conseillers qui souhaitaient prendre la parole ce soir. Je commencerai avec Mme Roux. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme vous le savez, en fin de semaine, il y a eu des vents assez extraordinaires là, à travers le Québec. Et il y a une partie de mon district, là, la partie est,
Il y a 500, plus de 550 clients qui ont été privés d'électricité. Là, c'était sur le site public d'Hydro-Québec, sur InfoPan. Alors, l'électricité a manqué là, samedi soir autour de 22 heures. Et lundi matin, j'ai une citoyenne qui m'a appelée qui s'inquiétait pour ses voisins, entre autres une petite voisine là, avec un petit bébé. Si la situation perdurait, là, c'était pour faire la deuxième journée complète là, sans électricité. Quand je l'ai rejoint, cette dame-là était partie chercher du café pour réchauffer ses voisins aussi. Je me suis déplacée sur l'heure du dîner, je suis allée voir ce qu'en était de la situation. Et puis, j'ai vu des gens qui étaient équipés d'une génératrice. Là, ils passaient les fils d'extension pour essayer de donner un peu de courant aux voisins pour tenter de sauver les congélateurs et, bref, pas tout jeter, là. Alors, le sens de mon intervention, c'est vraiment, je voudrais souligner, là, l'esprit d'entraide et de solidarité là, qui a régné lundi là, pour les voisins qui s'entraidaient là, dans cette situation-là. Heureusement, l'électricité est revenue avant le souper. Donc, les dommages ont été mitigés. Mais bref, je voudrais quand même souligner là, cet esprit d'entraide et de solidarité qu'il y a eu avec les citoyens du district là, dans cette situation-là. Merci beaucoup, Martine Roux. Effectivement, c'est à souligner. Donc, deuxième conseiller qui souhaitait prendre la parole, M. Simon. Merci, M. le Président. Mon intervention ce soir est peut-être un petit peu plus simple, mais c'était pour souligner une équipe de chez nous, non pas nos Canadiens, mais une équipe Pee-wee 2A de Repentigny, qui sont les élites Pee-wee 2A de Repentigny. Alors, c'est une équipe qui est menée par une main de maître, par M. Jean-François Rassette, qui habite le secteur Valmont, en passant, et M. Patrick Forget, Patrice Tremblay, Éric Garceau et Nick Rousseau. C'est important de mentionner là, l'apport de nos bénévoles au sein de notre ville. Mais tout ça pour dire qu'en date du 14 décembre 2021, cette équipe-là est invaincue, alors avec 17 victoires, 0 défaites. L'équipe Pee-wee 2A sont les premiers au Québec sur 109 équipes dans l'ensemble du Québec. Alors, je pense que c'est important de souligner nos petites victoires que nous avons sur le territoire. Puis, l'équipe va nous représenter également au tournoi prestigieux, au prestigieux tournoi de Québec, Pee-wee, qui se fera du 9 au 20 février. Alors, c'est simplement pour dire un petit mot pour l'équipe. Merci. Avec raison, félicitations pour les bénévoles et l'ensemble de l'équipe. Beaucoup plus fiers d'eux que du Canadien. Et on termine avec Mme Karine Benoît. Merci, M. le Président. En fait, je vais rebondir sur ce que mon collègue, M. Simon, mentionnait. Il vous fait la passe. Exactement. On va rester dans les sports de glace. En fait, je voulais simplement souligner là, le tournoi de l'Association de ringuettes de Repentigny qui a eu lieu samedi dernier, le 11 décembre, mené aussi de main de maître par Mme Geneviève Pépin, qui est présidente, mais également par l'ensemble de ses bénévoles. Puis on le sait, là, les sports, c'est mené à bout de bras par des bénévoles, puis des gens qui sont mobilisés pour faire bouger nos jeunes, puis nos moins jeunes. Donc, simplement, là, c'est un tournoi qui recevait quand même 45 équipes. Donc, c'est pas peu dire. C'est ce qu'on souhaite dans les prochaines années que ça bouge à Repentigny. Donc, on va souligner l'effort de chacun en ce sens. Donc, merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Mme Benoît. Et puis, écoutez, c'est notre avant-dernière séance du Conseil, avant le temps des fêtes, parce qu'on va avoir la séance du Conseil concernant le budget jeudi. Donc, je vous invite en grand nombre à venir à cette présentation budgétaire qui va commencer, M. Pratt, à 5h30. Donc, on a décalé un peu pour justement permettre aux citoyens de venir. Pour une première, on va s'organiser pour les prochaines, mais on avait hâte d'adopter le budget parce que vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles. Donc, on m'a limité parce que j'aurais commencé beaucoup plus tôt pour être sûr et certain d'annoncer les bonnes nouvelles le plus rapidement possible avant Noël. Mais on s'est dit qu'on voulait pareil une participation citoyenne, mais on va revoir M. Pratt pour la prochaine année pour permettre au plus grand nombre de venir, bien sûr. Donc, étant donné que c'est notre dernière séance régulière, je voulais au moins profiter de l'occasion là, pour souhaiter un très joyeux temps des fêtes à l'ensemble des citoyens et citoyennes de Repentigny, de profiter de ce moment-là pour se reposer. Et l'année 2022, en termes municipaux, va être une grosse année. Alors, vous allez avoir un conseil qui a très hâte d'entreprendre l'année 2022. Donc, j'aurais besoin maintenant d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever.